qu'on veut te dénigrer. C'est-à-dire que quand ton ennemi prend un autre visage pour venir vers toi, comme son ami, comme quelqu'un qui t'aime, alors que la personne n'était pas venue avec de bonnes intentions, la personne même venait, c'est-à-dire c'est ton ennemi qui était déguisé qui est venu vers toi. L'ennemi là aujourd'hui veut te salir. Donc c'est pour ça que j'ai fait ce direct, je ne voulais pas faire, mais on m'a conseillé de le faire pour essayer de mettre les choses, pour éclaircir les choses, pour essayer d'expliquer à mes caviars. Alors il s'agit de quoi? Voilà un jeune qui m'a approché l'année passée, enfin même pas approché, voilà un jeune qui reprenait toutes mes vidéos, pratiquement toutes mes vidéos sur TikTok. Voilà, un jeune que je ne connaissais pas, qui reprenait mes vidéos sur TikTok. Et comme moi, vous savez très bien, voilà, comme vous savez très bien que moi, je ne suis pas douée en ce qui concerne l'informatique, hein, je ne suis pas douée. Donc, je ne savais même pas, c'est-à-dire que je ne savais même pas qu'il y a un jeune qui reprenait mes vidéos sur TikTok. Donc, ce sont mes caviars, voilà, ce sont mes caviars qui m'ont envoyé ces vidéos sur mon WhatsApp. Mes caviars sur qui me disaient, ah coach, il y a un jeune qui reprend toujours tes vidéos, il y a un jeune qui reprend toujours tes vidéos et tout. Voilà, c'est-à-dire qu'il y en a au début qui ont cru que c'était une personne qui se moquait de moi et tout. Et vous me connaissez, vous savez très bien que je suis une personne tellement positive et telle très drôle. C'est-à-dire que j'aime pas me prendre la tête, voilà, j'aime rigoler et tout. Donc quand j'ai vu les vidéos, j'ai dit non, j'ai dit à mes caviars, j'ai dit non. Il se moque pas de moi, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui reprend mes vidéos, certainement c'est quelqu'un qui aime bien ce que je fais. Et les vidéos, j'ai commencé à les mettre sur ma page. Voilà, il y a quelqu'un qui dit, c'est ton frère, faut régler ça en famille. Je ne règle pas ça en famille. Quand la personne s'est levée pour me dénigrer, pour me salir sur la toile là, la personne n'est pas venue régler en famille. Parce que quand tu dis tu aimes quelqu'un, quand tu dis que tu aimes quelqu'un là, quand tu dis que tu es fan de quelqu'un, quand tu dis que tu aimes affaire de quelqu'un là, quand il y a quelque chose là, tu l'appelles inbox. De la manière tu l'as appelé pour lui demander des services là, c'est comme ça tu l'appelles inbox pour lui dire. Mais quand tu ne dis pas inbox, c'est-à-dire que inbox là, tu ne dis rien, il n'y a rien. Ou toi et moi, la dernière conversation qu'on a eue, tu me disais merci parce que j'ai fait ta pub. Et puis un matin, tu commences à me salir, à me dénigrer sur la toile, je ne peux pas l'appeler. Pourquoi on règle ça? Non. De la manière il est venu, il veut me salir sur la toile. C'est sur la toile que j'ai venu m'expliquer. Donc, arrêtez vos commentaires de « oui, c'est ton frère, réglez sans vous ». Parce que quand il est en train de faire, ce n'est pas ce que vous avez dit. Laissez-moi m'exprimer, expliquer à mes caviars. Je m'adresse à mes caviars. Je ne m'adresse pas à n'importe qui. OK. Donc, voilà ce jeune-là. J'ai commencé à publier ses TikTok sur mes pages. Et c'est comme ça qu'en fait, mes caviars ont commencé à s'abonner à ses différentes pages, c'est-à-dire TikTok et Facebook, en sachant que sur TikTok, Facebook, il avait des abonnés, franchement, voilà, c'était à désirer, quoi. Donc, mes caviars ont commencé à s'abonner, et voilà quelqu'un qui a commencé à avoir un peu de visibilité. Et donc, le mec, en fait, quand il a vu que je publiais ses vidéos, ses TikTok et tout, sur mes pages, il est venu vers moi, c'est-à-dire il m'a contacté. Et il m'a dit qu'il aimait bien ce que je fais et tout, que voilà, il m'aimait beaucoup et tout ça, qu'il me suivait. Je dis, ah ben c'est gentil. Et il me dit comme ça, je suis en Suisse, je vis en Suisse, je veux venir sur Paris et j'aimerais que tu m'aides à avoir de la visibilité. Je dis, mais il n'y a pas de souci, moi il n'y a pas de souci, ça ne me dérange pas. La preuve en est, tes vidéos, tes reprises que tu fais sur moi, sur TikTok, je les publie et ça te ramène des abonnés, moi ça ne me dérange pas. Moi, je suis le genre de personne, quand je brille, je veux que ceux qui sont à côté aussi brillent. Moi, ça ne me dérange pas de partager des vidéos des gens et tout. On me connaît sur la toile, je partageais mon ancienne page, je partageais toutes les vidéos. C'est-à-dire que tous ceux qui faisaient des vidéos sur moi, je mettais sur ma page. Ça m'a créé parfois des problèmes. Mais pour dire que je ne me disais pas, non, bon, si je publie la vidéo, la personne aura plus de visibilité. Non, moi, j'aime aider. Voilà, et c'est comme ça que je suis, c'est ma nature. Donc, le mec, il me dit, il vient sur Paris, il veut venir me voir et tout, pour qu'on fasse une vidéo ensemble et tout ça, pour que, voilà, pour avoir plus de visibilité. Je dis, OK, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Donc, si tu viens, tu me dis quand tu viens et comme ça, moi, je vais m'arranger de telle sorte que je sois disponible. Et le mec, en fait, il m'a dit quand il venait. Et c'était un samedi.
Et le samedi, vous-même, vous avez vu sur mon ancienne page, si vous me suivez depuis, vous avez vu sur mon ancienne page, il est venu jusqu'à chez moi, c'est-à-dire dans mon quartier, pas chez moi à la maison, heureusement d'ailleurs. Heureusement d'ailleurs, heureusement que je ne fais pas rentrer n'importe qui chez moi. Donc, il est venu dans mon quartier et je suis allée, je l'ai récupéré. Et il était avec un frère d'ailleurs. Donc, il m'a dit, oui, je veux qu'on prenne, on prenne des photos, on fasse des vidéos, une petite vidéo TikTok pour que je publie. Je publie sur mon TikTok pour me faire plus de visibilité. Je dis non, au lieu de faire un TikTok, c'est rien. Moi, je vais faire un direct avec toi. Je fais un direct avec toi, ça va te ramener beaucoup de monde. Et c'est comme ça, dans ma voiture, j'ai fait un direct avec lui. Où j'ai fait une sorte de sketch avec lui, un direct, où on a ambiancé pendant 10-15 minutes. Et comment on appelle Et puis, ça lui a ramené beaucoup, beaucoup, beaucoup d'abonnés. Voilà, ça lui a ramené des abonnés. C'est-à-dire, mes caviars sont allés s'abonner à sa page. Plein, plein, plein comme ça. Et ce jour-là même, je crois le même soir, il a fait un post où il m'a dit merci. Il m'a dit que juste après la vidéo, notre direct, il a eu tellement d'abonnés. Et puis bon, c'est comme ça qu'on est resté. C'est quelqu'un qui reprenait toujours mes vidéos. À chaque fois qu'il reprenait mes vidéos, je publiais. À chaque fois qu'il reprenait mes vidéos, je publiais. Et quand je suis allée, on était comme ça en contact. Il faut dire qu'on n'est pas amis. Voilà, on n'est pas amis. Lui et moi, on n'est pas amis. Pour dire qu'on s'appelle tous les jours, pour dire que non, on n'est pas amis. Voilà, c'est dit que c'est un fan. C'est quelqu'un qui aime ce que je fais, qui est venu vers moi. Donc, on n'est pas vraiment proche. Comprenez un peu. C'est quelqu'un qui me suit, qui me suivait, qui suivait toutes mes actualités. Mais voilà. Et quand je suis allée au Togo, de temps en temps, comme ça, il m'envoyait des messages et tout. J'ai dit, ok, moi, je répondais, vous me connaissez, je suis sans façon. Donc, quand je suis allé au Togo pour mon événement au Togo, dès que je suis arrivé au Togo, le mec, il m'a contacté et il a envoyé des gens, il a envoyé des proches à lui, m'envoyer la nourriture. Donc, il m'a envoyé plein de nourriture et tout. J'étais tellement contente, j'ai pris en photo, j'ai publié sur mon ancienne page pour dire, ah, dites merci à mon loulou, il a des gens ici qui ont préparé pour moi et tout. Ce jour-là, la nourriture, tout le monde a mangé et tout ça à Lomé là-bas. Et il a pris, je crois, un ou deux tickets, un ou deux billets de l'événement. Il a pris un ou deux billets de l'événement. Un ou deux, je ne sais pas, un truc comme ça, de l'événement. Il dit, c'est pour me soutenir. Je dis, c'est gentil. C'est gentil de ta part. Voilà, c'est gentil de ta part de me soutenir et tout. Enfin, je n'avais rien demandé. Moi, on m'avait déjà donné mon cachet et les billets s'arrachaient comme de petits pains. Voilà, donc c'est pas comme j'ai demandé quelque chose pour qu'on le fasse. Il a fait de lui-même. Donc, je lui ai dit merci, merci pour le soutien et tout. Après, je suis allée au Bénin. Quand je suis allée au Bénin, le mec, il a aussi fait à manger. C'est-à-dire qu'il a dépêché des gens qui m'ont ramené à manger. Et j'étais tellement contente, je lui ai dit merci. J'ai même publié sur ma page, je pense, pour dire merci qu'il m'a envoyé de quoi à manger. Et puis, il a pris un billet là-bas pour qu'une personne vienne à mon événement. Et donc, c'est comme ça qu'on est resté. Voilà, comme je vous dis, on n'est pas amis. Donc, ce n'est pas quelqu'un avec qui je parle tout le temps. C'est pas non. C'est quelqu'un qui aime ce que je fais. Et même sur Instagram, quand je fais mes lives, parfois il fait signe, je le prends. Et pour vous dire que c'est quelqu'un que j'ai fait connaître sur TikTok, c'est quelqu'un que j'ai fait connaître sur Instagram, c'est quelqu'un que j'ai fait connaître sur Facebook. Donc ma communauté le connaît et ma communauté s'est abonnée à ses pages. Parce qu'à chaque fois, je faisais sa pub, à chaque fois je demandais à mes caviars, si vous voulez faire à manger, si vous avez un événement, vous avez une cérémonie, ça ne sert à rien de prendre un autre cuisinier. Prenez ce cuisinier-là parce que c'est mon cuisinier Choco et tout. Donc, ce qui a fait que les caviars l'ont adopté. Ce qui a fait que les caviars ont aimé son affaire, se sont abonnés à ses pages. Et puis, c'était comme ça. Donc, vous voyez, moi, je n'avais... Bon, déjà même pour penser à quelque chose, il faut que vous soyez amis. Quand vous n'êtes pas amis, tu ne peux pas penser à quoi que ce soit. Et c'est comme ça, ça s'est passé. Et la dernière fois, quand... Apuchu National devait faire ses Oscars, les Oscars des blogueurs, où j'étais marraine. J'ai fait un direct où j'ai demandé à mes caviars qu'il y a des billets. Il y a des billets qui sont que pour nous les caviars. Il faut prendre les billets là pour qu'on puisse aller s'amuser à l'événement.
Il a pris le billet, il m'a contacté, il m'a dit qu'il a pris le billet, qu'il sera sur Paris et tout. J'ai dit, ok, c'est gentil, c'est bien et tout. Voilà, parce que pour moi, c'est un caviar. Donc, il veut venir dans le bon des caviars, ok, il n'y a pas de souci. Donc, on a eu l'événement, moi j'ai été là-bas, il était là-bas, on a même fait des vidéos, on a même pris des photos et tout. Je suis montée sur le podium, il est venu travailler sur moi. Enfin, tout était bien, vous comprenez un peu, tout était bien et tout. Donc voilà, donc c'est quelqu'un avec qui je n'avais pas de problème. Je n'avais pas de problème. Ne me dites pas que je ne tombe pas dans ça. Je ne suis pas en train de tomber dans quelque chose. On me dit, c'est un piège, ne tombe pas dans ça, c'est un piège de blogueur. Bah, si c'est un piège de blogueur, je ne vais pas tomber dans le piège parce que si justement je ne parle pas, c'est comme ça que je vais tomber dans le piège. Je ne suis pas en train de faire un clash. Je suis en train de m'expliquer. Pour que les caviars qui pensent que ce que la personne a dit est vrai ou les gens qui sont en train de dire oui, elle aime l'argent, pour que ces personnes-là comprennent qu'en fait, c'est un ennemi qui s'est déguisé en ami qui est venu vers moi. Tout ça dans l'espoir ou bien qui avait préparé quelque chose dans la tête. Donc, il cherchait à me détruire. Voilà, donc je suis en train de m'expliquer. Arrêtez de dire, ne tombe pas dans le piège. Écoutez ce que j'ai à dire. Si vous ne voulez pas écouter aussi, vous pouvez quitter le direct. Voilà, laissez-moi m'exprimer, s'il vous plaît. Parce que vous dites tout le temps, oui, tombe pas dans le piège, mais à chaque fois que les gens aussi sont en train de faire les directs, vous êtes aussi là-bas, vous regardez. Donc, ça vous intéresse. Laissez-moi m'exprimer pour éviter des confusions. Voilà, je suis une personne, je suis sur la toile, je suis venue sur la toile. Je n'ai jamais cherché à dénigrer ou à salir quelqu'un pour me faire de la place. Je n'ai jamais cherché à rabaisser ou à saboter quelqu'un pour me faire de la visibilité. Je me suis fait de la visibilité toute seule, dans le travail, dans la persévérance. Et toute seule, je n'ai jamais fait du mal à qui que ce soit pour avoir la place que j'ai aujourd'hui, pour être là où je suis aujourd'hui. Je me suis débrouillée toute seule et honnêtement, voilà, parce que je n'ai jamais cherché à faire du mal à qui que ce soit. Et aujourd'hui, si j'ai de la visibilité, que beaucoup de monde me suivent et que je suis suivi partout dans le monde entier et que je voyage beaucoup, je ne peux pas permettre à qui que ce soit de venir me salir sur la toile et je vais rester là, ne rien dire. Non, ne me dites pas, ne dites rien. Non, laissez-moi parler ou même si vous ne pouvez pas écouter, vous quittez le direct. Voilà. Et donc, il est venu aux Oscars d'Apuchou et on s'est bien amusé et tout, il est parti. De temps en temps, comme ça, il m'envoyait des messages sur WhatsApp. Je répondais amicalement. Et un jour, il me dit, oui, je suis en train de créer ma marque d'épicerie. Je suis en train de créer ma marque d'épicerie et tout. Et que j'aimerais t'expédier. Voilà, j'aimerais t'expédier pour que tu puisses goûter aussi. Je dis, OK, il n'y a pas de souci. Si tu crées ta marque d'épicerie, c'est bien. Et tu m'envoies, comme ça, je vais goûter et tout. Je lui ai même donné mon adresse. Je lui ai même donné mon adresse. Voilà, je lui ai donné mon adresse et il a dit qu'il allait m'envoyer ça par la poste pour que je puisse goûter ces trucs. Mais il ne l'a pas fait. Il m'a pas envoyé par la poste et tout. Donc, à chaque fois qu'il me laissait des messages, je lui disais, ben, j'attends toujours ton truc, j'attends toujours ton truc. Et puis, bon, voilà, c'était un truc sans façon, franchement, sans façon. Et là, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que je suis allée à Ouaga, déjà même. Avant que j'aille à Ouaga pour ma pub, pour ma com, les organisateurs m'ont contacté, ont voulu passer aussi par des influenceurs, blogueurs pour faire ma pub. Et donc, ils ont contacté plein de blogueurs. Hein, ce n'était pas moi, je leur ai dit. Je leur ai dit, écoute, ils m'ont dit, Apuchou, c'est votre fils. Emma Louès, c'est votre fille. Est-ce que vous pouvez demander à Emma Louès et Apuchou de faire la pub de l'événement et tout? Moi, j'ai dit non, moi je ne vois pas les choses comme ça. Si vous voulez contacter Apuchou pour faire la pub, il faut le payer. Il faut le payer parce que c'est un père de famille, il a une famille. Donc, ce n'est pas parce que c'est mon fils qu'il va faire ma com gratuitement. Ils ont contacté Apuchou. Apuchou a dit, OK, je vous donne un prix. Parce que c'est ma maman, donc normalement ce que je devais donner, c'est pas ce que je donne, je vous donne un petit prix. Et c'est comme ça que tu as fait la com. Et ce jeune-là a été contacté aussi, parce qu'ils ont vu qu'il était proche de moi, enfin, par rapport à ce qu'il montrait sur la toile. Il a été contacté pour faire ma com. Il a vu, attends, j'ai bloqué celle-là.
Carrément, arrête de trop te justifier, va droit au but. Si tu as connexion de 200 francs, ma chérie, c'est normal que tu me demandes d'aller droit au but. Je ne vais pas droit au but, je m'exprime. Donc, toi qui as une connexion de 200 francs, tu ne viens pas là. Et si tu me distrais, je te bloque. Voilà, parce que je n'ai pas le temps des conneries. Voilà, moi, je parle à mes personnes réfléchies, à mes femmes et mes hommes caviar. Voilà, je ne veux pas que quelqu'un vienne, quelqu'un qui quitte de je ne sais où, en plus que j'ai aidé à avoir de la visibilité, vienne me salir sur la toile. Je ne peux jamais le permettre. Je suis une mère de famille, je suis une épouse, voilà, je suis l'espoir de toute une famille. Donc, je ne peux pas permettre que quelqu'un vienne mettre du sable dans mon attiéké, tout simplement par méchanceté gratuite. Et donc, cette personne a été contactée pour faire ma com, pour faire la com de mon événement à Ouaga. La personne a vu les vidéos, les messages, tout, la personne n'a pas répondu. Alors que ce n'était pas gratuit. La personne n'a pas répondu. Et moi, je ne savais pas. C'est aujourd'hui, j'ai appris ça. Et donc, les organisateurs, ça les a choqués. Ça les a choqués de savoir que ils l'ont contacté pour faire ma com. Ils voulaient même payer et que le mec, il a été très froid, très indifférent. Ils ont été choqués, mais moi, ils ne m'ont pas dit. C'est aujourd'hui, on m'a dit ça pour dire, ah, mais on comprend maintenant pourquoi est-ce qu'il s'est comporté comme ça quand on l'avait contacté. On pensait qu'il y avait un problème. J'ai dit, ben, moi, s'il y avait un problème, je ne savais pas. Moi, je ne savais pas, voilà. Et c'est comme ça, je finis à Ouaga, je rentre à Lomé. Dès que j'arrive à Lomé, le lendemain, je suis contactée par ce jeune qui me dit, bon, coucou, coach, j'ai des frères à moi qui ont ouvert un centre commercial, un supermarché. Voilà, des frères à moi qui ont ouvert un supermarché. Attends, attends, il a bloqué ça. Voilà, on n'a pas le temps des énergumènes, des crabes, des batraciens. Donc, la personne m'a contacté 2 jours après, même pas le lendemain. Ça veut dire que la personne me suit. Voilà, la personne me suit. Donc, la personne m'a contacté le lendemain et elle me dit, oui, comme ça, mes frères ont ouvert un supermarché, un centre commercial, un supermarché, une supérette, un truc comme ça à Lomé et que je vends aussi mes épiceries là. Voilà, je vends aussi mes trucs, mes produits que je vends à l'épicerie et tout ça. Je vends dans le supermarché. Est-ce que tu ne peux pas me rendre un service? Je dis, ah bon, quel est le service que tu veux que je te rende? Et il me dit comme ça, je veux que tu partes dans le supermarché. Déjà, il me dit, oui, ils veulent, si tu veux, moi je peux voir avec eux, comme ça tu vas distribuer tes champagnes, tu vas vendre tes champagnes dans le supermarché et tout. Et comme ça, tu vas aller là-bas faire un direct et tout. Je dis, non, moi ça ne m'intéresse pas. Je dis, ça ne m'intéresse pas de mettre mes champagnes là-bas. Non, non, merci, ça ne m'intéresse pas. Et après, il me dit, OK, j'ai mes produits là-bas, mes épiceries, un truc comme ça là-bas. Est-ce que tu peux pas aller au supermarché? C'est-à-dire que tu vas, tu fais un direct là-bas, comme tu étais venu acheter mes produits et tout. Je lui ai dit non. Je lui ai dit non. C'est pas comme ça. Moi, si tu veux, comme tu veux, moi, les produits, je suis là. Moi, tu peux m'envoyer les photos de tes produits. Je peux publier sur mes plateformes. Je peux les publier sur mes plateformes et puis faire ta pub. Mais qui a ouvert là? Ouvre, fais-moi ça. Je peux mettre les photos, je lui ai dit, je peux mettre les photos de tes produits sur ma page. Tu m'envoies les photos. Je les mets sur ma page et puis je fais ta pub. Il me dit non, je préfère que tu partes là-bas. Je préfère que tu partes dans le supermarché, faire un direct dans le supermarché. Et puis voilà, je dis mais je ne peux pas. Je ne peux pas aller me lever, aller jusqu'à un supermarché. Je fais un direct dans le supermarché. Ça veut dire que je fais la pub du supermarché. Je fais la pub des produits qui sont là-bas puisque c'est un direct, tout sera vu. Et je fais toi ta pub. Donc en fait ça fait trop de pubs. Donc si tu veux que j'aille jusqu'à au supermarché pour faire un direct, en ce moment-là, tu vas me payer. Et moi je vais aller faire ça. Je vais aller faire le direct. Tu me payes, je vais faire le direct. Il me dit, OK, il n'y a pas de souci. Tu veux combien? Je dis, OK, pour aller faire le direct là-bas, tu me donnes 2 000 euros parce que c'est toi.
parce que c'est toi, tu me donnes 2000 euros, je fais le direct. Comme ça, on me voit rentrer. On me voit rentrer dans le supermarché. On me voit faire un peu tourner dans le supermarché, faire des achats et tout dans le supermarché. Il me dit non, que ah non, mais ah non, c'est trop pour moi, ça ne m'arrange pas. Je dis ok, si ça ne t'arrange pas en ce moment-là, tu laisses cette histoire d'aller jusqu'à ton supermarché pour faire un direct. Envoie-moi juste les photos de tes produits, je mets ça sur ma page et je fais ta pub gratuitement. Il dit ok, ça me va, ça me fait mal même les messages qu'on s'est envoyés là, je ne retrouve plus. Je ne retrouve plus, je ne sais pas pourquoi. Comme je suis quitté en Afrique, je suis venu, je ne comprends pas pourquoi les messages sont effacés. Sinon, j'allais vous montrer même les messages. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas pourquoi les messages sont effacés. Je ne comprends pas pourquoi les messages sont effacés. Je ne comprends pas. Ça me fait mal. Ça me fait mal, mais bon, c'est pas grave. C'est pas grave. J'allais vous montrer les preuves. Donc, si vous voulez, il m'a dit non, que je ne peux pas payer et tout. J'ai dit, bon, tu envoies les photos, je fais la pub sur mes pages. Je publie partout gratuitement sans rien te prendre. Il dit, ok, il n'y a pas de souci, ça me va. Et mon garde-corps qui est là, qui est témoin, Marcel qui peut témoigner, Marcel m'a appelé, il dit, coach, il y a un truc qui m'a appelé, qui veut me remettre un panier d'épicerie pour toi. Je dis, ok, il n'y a pas de souci, tu prends ça avec lui et puis tu m'envoies. Donc Marcel a pris le panier là d'épicerie avec son contact et ils m'ont envoyé ça à la maison à Lomé. Quand ils m'ont envoyé ça à la maison à Lomé, j'ai fait un snap. J'ai fait un snap. Le snap que j'ai publié. Attendez, je vous montre ça. Recevoir ton panier, ton magnifique panier où tu as tes épices et tout. Le cuisinier va faire de l'art avec tout à l'heure. Bon, on va regarder ce qu'il a envoyé, le chef Ryan. Alors là, il m'a gâté, hein. Ça, c'est quoi? Mélange d'épices. Pas, plein de mélanges comme ça. Appelle le cuisinier, il va venir voir. Faut qu'il vienne voir le cuisinier pour faire de l'art avec. Toutes ces épices-là. Chef Ryan, merci, 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 merci. Oh là là, on va se régaler. Oh, ça, j'adore en plus. Merci, merci, merci. Bisous, Ok. Vous avez vu la vidéo. Quand il m'a envoyé ça, le lendemain, j'ai fait un snap. J'ai fait un snap. J'ai fait une vidéo snap que j'ai publiée sur toutes mes plateformes. J'ai mis ça dans mon snap. J'ai mis ça dans ma story. Instagram, j'ai mis ça dans ma story, Facebook. Tous ceux qui me suivent là sont témoins. Le jour, le lendemain, parce que le jour qu'ils ont envoyé, je n'avais pas le temps. Le jour qu'ils ont envoyé, j'étais très prise. Le lendemain, je crois, c'est là où 2 jours après, quand j'ai eu le temps, c'est ça, j'ai fait la vidéo. J'ai fait la vidéo et j'ai publié sur toutes mes plateformes. Sur toutes mes plateformes, Instagram, Snapchat, Facebook, j'ai mis ça partout, sur mes plateformes là, j'ai mis ça dans ma story YouTube. C'est-à-dire que ou partout j'ai réseaux sociaux là, j'ai un réseau social là, j'ai publié là-bas. Et lui-même, j'ai pris la vidéo, j'ai pris, ça me fait mal. Toutes nos conversations, je les vois plus, je les retrouve plus. Toutes nos conversations, ça me fait mal. Je sais pas pourquoi, je sais pas pourquoi tout est effacé. Je lui ai envoyé la vidéo, quand j'ai fini de publier sur toutes mes plateformes, je lui ai envoyé la vidéo inbox. J'ai dit loulou, voilà la vidéo. Et quand il a lu la vidéo, il m'a répondu. Il dit, oh, merci, merci, ma coach, merci, ça me va. C'est vraiment gentil de ta part, merci. Et je lui ai envoyé un cœur. Je lui ai répondu, je lui ai envoyé un cœur pour lui dire, de rien, c'est normal, c'est la famille, c'est normal que je te soutienne. Et donc, c'est ce que j'ai fait. Tous ceux qui me suivent, qui sont qui suivent mes stories, ils peuvent témoigner. Ce jour-là, j'ai publié sur toutes mes plateformes, sans prendre un centime. Sans prendre un centime. J'ai publié partout, sans prendre un centime. Et je l'ai identifié. Si vous allez même dans ma story Instagram, parce que Instagram, là, les stories, là, ça s'efface jamais. Quand vous allez dans ma story, vous allez voir la story, la date de la story, vous allez voir. Facebook, ça s'efface. Mais Instagram,
Tout est là-bas. Si vous voulez aller sur Instagram, vous rentrez dans ma story, vous allez voir la vidéo là, ce qui est encore dans ma story. Parce que les stories Instagram restent. Voilà ce que j'ai fait à ce jeune-là. Et ce jeune, il m'a répondu, il m'a dit merci. Oh merci, c'est vraiment touchant, merci coach. Je lui ai dit de rien, c'est normal. Ou je lui ai envoyé un cœur, en tout cas un truc comme ça. C'est la dernière fois que lui et moi, on s'est eu. C'est la dernière fois que lui et moi, on s'est eu. Alors que ça, ce qu'il m'a dit, en fait, il ne le pensait pas. Il ne le pensait pas. Il cherchait une occasion pour me détruire, pour me salir. Je ne le savais pas. Et j'étais là comme ça il y a 3-4 jours. Ma maman me contacte puisque mon ancienne page, je le suivais. Sur mon ancienne page, j'étais abonnée à sa page. Mais ma nouvelle page, je ne suis pas abonnée à sa page. Donc, je ne le suis pas. Je ne sais même pas ce qu'il fait. Donc, c'est ma maman, parce que ma maman, elle, quand elle me voit avec quelqu'un, ou bien quand elle voit que j'affiche quelqu'un, elle va s'abonner rapidement à sa page. Elle est comme ça. C'est les mamans, vous savez, les mamans, c'est comme ça, elles sont. Donc, ma maman est abonnée à sa page. Donc, ma maman m'a contactée il y a quelques jours, je crois 4 ou 5 jours de cela. Mais maman me dit, mais aïe, qu'est-ce qui se passe entre ton frère et toi? J'ai dit, comment ça? Quel frère? Elle a dit son nom. J'ai dit, non, il n'y a rien, pourquoi? Toi-même, tu étais là puisque ma maman, elle était au Togo avec moi. Donc, quand il a envoyé le panier, le jour même, je faisais la vidéo de sa pub, ma maman était assise à côté, elle a vu. Donc, elle était étonnée, elle dit, mais qu'est-ce qui se passe? Et le mec, en fait, il ne m'a rien dit. Il m'a juste dit merci. C'est la dernière fois qu'on s'est eu. Sur WhatsApp, il m'a dit merci. Et moi, je lui ai dit, il n'y a pas de souci. Alors que le mec, il avait des choses derrière la tête. Et moi, je ne savais pas. Et ma maman qui m'appelle, elle me dit, comme par hasard, quelques jours après, il allait prendre la photo de mon ennemi sur les réseaux sociaux pour mettre sur sa page. Et il a mis 3 cœurs. Donc, ma maman m'appelle et elle me dit ça. Ma maman m'appelle et puis elle me dit ça. Attendez. Ma maman m'appelle et me dit, elle dit, il y a un problème. J'ai dit, pourquoi? Elle dit, aïe. Parce que lui, là, je ne peux pas comprendre que quelqu'un qui est ton ennemi sur la toile, il va prendre sa photo pour mettre sur sa page. Je ne comprends pas, il y a quelque chose que je comprends. J'ai dit, maman. Je lui ai dit, maman, tu sais où je suis là? Je ne suis pas ce qui se passe sur la toile. Donc, si toi-même, tu allais t'abonner, que tu vois des choses, là, faut pas venir me dire. Parce que où je suis là, je ne veux pas des choses négatives. Je n'aime pas les énergies négatives. Donc, quand tu vois les choses, c'est pas la peine de venir me dire. Elle dit non, parce que ça me fait mal au cœur. Je ne peux pas comprendre. À chaque fois qu'on est au Togo, l'enfant, là, il envoie des affaires. La dernière fois même, tu as fait sa pub. Je ne comprends pas pourquoi il se comporte comme ça. C'est comme ça que je suis allée sur je suis allée sur TikTok et je me suis retirée de sa liste d'amis. Vous comprenez? Parce que je n'aime pas les problèmes. Mes amours. Je suis une personne, je n'aime pas les problèmes. Parce que je suis tellement nerveuse que je n'aime pas chercher les problèmes. C'est pour ça, vous me voyez sur la toile, je ne cherche pas de problème à quelqu'un. Je ne me mêle pas de ce qui ne me regarde pas. Je n'ai pas de problème avec quelqu'un. Je me mets sur la toile, je fais ce que je sais faire. Et puis c'est tout. Ça m'amène, ça me draine du monde, c'est tout. Je ne cherche pas, non. Parce que je ne veux pas. C'est pour ça là, c'est à cause de tout ça là, que je me méfie de l'être humain. Que je suis dans mon coin. Voilà, pour éviter tout ça. Et avant-hier, ma maman me contacte. Elle dit oui, que je ne comprends pas encore. Il a mis un poste. Il a dit, il a dit plein de choses. Jean, il t'a dénigré. Qu'est-ce qui se passe? Comment quelqu'un qui était proche de toi comme ça, quelqu'un qui faisait tes éloges sur sa page, qui disait qu'il est ton fan numéro 0, qu'il est fan de toi, il est tout le temps en train de faire tes éloges. Comment quelqu'un comme ça peut venir parler de toi comme ça? Ça me fait mal au cœur, c'est triste. Pourquoi? Ah, je ne comprends pas. J'ai dit, maman, tu sais que où tu es là? Tu es une femme âgée. Tu es une femme très âgée. Je suis sur la toile là. Je t'ai dit, il faut arrêter de suivre tout ce qui se passe sur la toile. Parce que je suis ta fille, tu m'aimes. Donc quand quelqu'un s'attaque à moi,
ça te fait mal. Quand quelqu'un veut me faire du mal, quand quelqu'un veut me salir, quand quelqu'un me dénigre, ça te fait mal, c'est normal, je suis toi, je suis ton enfant. Mais ce n'est pas tout, il faut regarder. Parce que moi-même, là, il y a plein de choses que je ne vois pas. Donc, ce n'est pas tout, il faut regarder. Tu as compris? Elle dit, elle a compris. Aujourd'hui, je suis là. Je suis vers les midi 13h, mais je ne sais pas quelle heure. Mon fils a pour tu me contactes. Que, ah, maman, qu'est-ce qui se passe? J'ai dit quoi? Ah, le jeune là, nous on l'a connu grâce à toi. C'est grâce à toi on l'a connu. Ah, il a fait un direct. Il entend parler de toi. Il entend te dénigrer. Il entend dire que oui, tu lui as demandé 2000 euros. Et que voilà, il a beaucoup fait pour toi. J'ai dit, mais il s'agit de quoi? Ah, mais tu n'as pas vu le direct. J'ai dit, non, moi je ne le suis pas. Non, je ne sais même pas. Ah, voilà ce qu'il a dit. Vraiment, je ne comprends pas. Quelqu'un qui on a vu tout le temps parler de toi en bien, s'afficher avec toi, on ne comprend pas pourquoi il vient faire un direct comme ça. Donc, voilà le problème. Que, voilà ce qui se passe. Je ne sais même pas ce que j'ai fait à ce jeune-là. Je ne sais même pas ce qu'il a derrière la tête. Je ne sais même pas qui l'a envoyé. Je ne sais même pas qui est derrière ça. Je n'ai pas de problème avec quelqu'un. Ce n'est pas quelqu'un avec qui je suis proche. Pour dire que oui, il a des papos sur moi. Il a... Non, parce qu'on n'est pas amis. Lui et moi, on n'a jamais eu une conversation comme ça, comme des amis, non. Voilà. Jamais. Donc, je suis étonnée de cette réaction. Comme si, en fait, je lui devais quelque chose. Comme si je lui devais quelque chose, alors que je ne lui dois rien. C'est tout à fait normal que si quelqu'un me contacte pour faire sa pub, que je lui donne un prix. C'est tout à fait normal. Voilà. Ce que moi, je peux faire gratuitement, c'est ce que j'ai fait. Mais si je dois me déplacer, aller dans un supermarché, et vous savez très bien que si je me déplace, je me déplace avec tout mon staff, je me déplace avec mon garde-corps, je me déplace avec tout ça, et je vais, et quand je vais dans le centre commercial, dans le supermarché, il y aura des clients dans le supermarché qui vont venir prendre des photos avec moi, et vous me connaissez, je ne vais pas dire non, je suis très généreuse. Donc tout ça là, si je dois me permettre de me lever, j'ai payé mon billet d'avion, c'est-à-dire ma famille et moi, on a payé notre billet d'avion, on allait au Togo pour se reposer, pour passer les vacances avec la famille. Si on me demande de me lever, aller jusqu'en dans un supermarché pour faire un direct là-bas, je dois dire c'est gratuit. Je dois dire c'est gratuit. Là, on va me traiter de méchante. On va me traiter de mauvaise. Je suis désolée. Je suis désolée. Dans la vie, il faut se prendre au sérieux. Marvin! Marvin! Crie encore, tu vas voir. Si ça, on doit dire que je suis méchante, que je suis mauvaise, mais je suis dépassée. Je suis dépassée. Tu ne vas pas faire ton business en comptant sur moi. Tu ne vas pas faire ton activité en comptant sur moi. Tu ne vas pas te ramasser de l'argent sur mon dos gratuitement. Que je ne dois pas, c'est-à-dire moi, on ne me donne rien. Je fais la com et toi, tu ramasses l'argent. Je demande une somme. C'est le montant que j'ai proposé. Même si je veux, je dis 10 000 euros, c'est mon montant. C'est à prendre ou à laisser ou c'est à négocier. Il n'a même pas dit négocions. Il n'a même pas, c'est-à-dire, il n'a même pas essayé de négocier rien du tout. Il m'a dit que non, qu'il n'a pas l'argent. Je dis, ok, je te fais de la pub gratuite. Moi, je fais un snap. J'ai fait le snap. J'ai mis partout sur mes plateformes. Je devais faire quoi? Je devais me lever, aller me mettre dans un supermarché, faire direct. C'est ma petite soeur qui a le supermarché. C'est ma maman qui a le supermarché. Même Tania qui est, je fais sa pub depuis combien d'années? Tania et moi, on est proches. Tania, by une chose, skin by la Tania. Elle et moi, on est proches. Parce que cette femme-là, voilà une femme qui est reconnaissante. Je fais sa pub. Elle me paye pour sa pub. Mais cette femme-là, à chaque fois qu'il y a quelque chose, elle vient. Quand j'ai créé, je voulais créer ma marque de champagne. Elle m'a donné 2000 euros. Mon anniversaire, elle m'a acheté un sac Vuitton de 2900 euros. À chaque fois, cette femme-là, quand il y a quelque chose, maman tient. Même Skin Technology, ben, là, Tania, quand elle a fait l'ouverture de sa boutique,
Elle a fait l'ouverture de sa boutique à Lomé. Elle a voulu que je sois là-bas. Le jour de l'inauguration de sa boutique. Elle m'a dit, maman, c'est combien? Je lui ai dit combien je prenais. Elle et moi, on s'est entendu, on est tombé d'accord. Je suis partie à son événement. Elle m'a payé, malgré que elle m'a donné l'argent, malgré qu'elle m'a offert des cadeaux, malgré que tous les jours que Dieu fait m'offre des cadeaux là. Je lui ai dit le prix, elle m'a payé, je suis partie. Ça s'appelle un business, ça s'appelle une activité. Quand tu fais une activité, que tu veux que l'activité marche parce que tu n'as pas de popularité, parce que tu n'as pas une visibilité et tu as besoin des gens pour que tes affaires marchent, il faut miser. Il faut miser. Tu ne peux pas monter un business et compter sur la pub gratos. C'est-à-dire que tu as approché des gens juste parce que tu attends des intérêts. Non. Non. Non.